Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de la rédaction consacré à l'économie, enregistré à l'occasion du Salon de l'entreprise. Et nous allons plus particulièrement parler des Business Angels avec Monsieur Hubert Clermant. Vous êtes vice-président pour la Charente-Maritime de Synergence et Monsieur Jean-Claude Cotevert de Léger. J'ai envie de commencer par vous, Monsieur Clément. C'est quoi un Business Angel ? Alors un Business Angel dans l'association Synergence, c'est quelqu'un qui croit en son territoire, qui a envie de s'investir parce qu'il est passionné par les entreprises. Et il a envie de participer au développement du territoire et il a envie de mutualiser aussi les expériences entre les différents adhérents. Alors vous, monsieur Cotevert, Léger, c'est un peu différent Léger, en fait. Léger, c'est l'entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Donc en fait, nous sommes des cadres, effectivement, dirigeants d'entreprise ou anciens chefs d'entreprise qui ont pour vocation, d'une part, d'accompagner les jeunes au niveau déjà du lycée, université, subdeco et compagnie, école d'ingénieurs, pour déjà les former à entrer dans le monde du travail. Donc ça, c'est un premier volet de nos activités. Et le deuxième volet, effectivement, c'est aussi d'accompagner des jeunes chefs d'entreprise, effectivement, pour les aider à franchir les premières années de vie qui sont certainement les plus difficiles pour un chef d'entreprise qui est souvent seul. Et donc, on est complémentaire, effectivement, de ce qu'on fait les business angels qui interviennent plus au niveau du capital. Nous, au quotidien, effectivement, on essaie de les accompagner dans les priorités qui peuvent être leur activité. On va voir comment les complémentarités jouent. Au niveau des business angels, parce que c'est vrai que le nom, on entend souvent business angel, c'est vraiment deux choses qui paraissent antinomiques. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept ? Bah, évidemment, il ne faut pas se cacher, les gens qui sont business angels et qui investissent, ils ont quand même envie de récupérer leur capital et de le voir progresser. Mais ils ont aussi une vraie vocation à faire fructifier les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et à aider des gens qui sont porteurs de projets, qui souvent n'ont pas possibilité ou peu de possibilité d'être accompagnés par les milieux bancaires parce que il y a un risque qui est important. Donc ils sont là pour prendre cette position-là. Alors quel est le profil des business angels ? Alors les business angels ont en général le profil suivant en Charente-Maritime et plus généralement en Poitou-Charente. C'est des gens qui ont eu une entreprise ou qui ont encore une entreprise ou qui ont été cadres opérationnels dans une entreprise ou qui sont encore cadres. Et qui partagent la passion de l'entreprise et qui ont envie, à travers cette action de financement et d'accompagnement, d'aider au développement du territoire et, si possible, de gagner un petit peu d'argent quand ils revendent leur participation. C'est des gens qui ont du mal à quitter le milieu économique quand ils sont à la retraite ? C'est pas obligatoirement du mal, mais ils ont une passion. Et quand on a des passions, on n'est pas obligé de l'abandonner. Donc, ils continuent sur cette voie-là. Et ils ont aussi le goût de partager aussi des expériences. C'est-à-dire que le gros intérêt d'une association comme celle-ci, c'est qu'en fait, elle réunit des gens qui ont des profils très différents, des expériences très différentes, et qui mutualisent leurs expériences. Et donc, ça donne un niveau d'expertise qui est extrêmement pertinent. Alors, c'est quelque chose que vous avez en commun avec Léger, c'est que vous suivez énormément les projets. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses en commun, oui, puisqu'on a déjà le même vêtement. Donc, vous parliez effectivement... Notre collègue effectivement parlait de passion, de transmettre, c'est aussi notre slogan principal. On a effectivement un vécu professionnel, une longue expérience issue, comme vous le savez peut-être, effectivement, Léger est une association effectivement avec des profils très différents les uns par les autres, tous avec des personnes ou des cadres ou des chefs d'entreprise ayant effectivement eu des responsabilités pour manager une entreprise, mais c'est également effectivement un savoir de compétences que l'on met à disposition effectivement de jeunes entreprises. En accompagnement, hein, je crois qu'on est complémentaires effectivement pour apporter un peu de conseils, un peu de notre savoir. La chance effectivement d'avoir une multitude de compétences autour de nous qui sont réunies peut faire qu'on peut mettre en face de l'interlocuteur et en fonction de son besoin exprimer effectivement la personne qui nous paraîtra la mieux adéquate effectivement pour répondre à sa préoccupation principale. Hein. Par contre, la vocation des G n'est pas d'aller comme les business angels jusqu'à investir dans une entreprise. Non, on n'investit pas. Nous, on se limite en fait à du conseil. Donc, EG, pour revenir un peu à l'histoire, EG fête ses 30 ans cette année, 30e anniversaire, que l'on va fêter en fait, au niveau de la région le 26 novembre prochain. Et donc, nous sommes aujourd'hui 2500 à travers la France. Sur le Poitou-Charentes, environ une centaine de collaborateurs et de collègues plutôt. Et sur le département Charente-Maritime, nous sommes environ une trentaine, dont une bonne vingtaine effectivement, qui travaillons essentiellement dans l'accompagnement des entreprises, que l'on prend à différents stades. Tout dépend en fait par quel intermédiaire. On a passé des conventions, si vous voulez, avec certaines structures, comme la Chambre de commerce. Oui, un peu comme... C'est un peu complémentaire. On n'arrive pas tout à fait dans les mêmes sources, mais on est sollicité les uns et les autres par les mêmes structures.
soit effectivement les chambres de commerce, soit Charente-Maritime, soit l'incubateur régional ou départemental, la chambre des la communauté d'agglomération de La Rochelle, éventuellement la couvre d'entreprises, finalement, et qui sont des personnes qui nous apportent effectivement des noms, des profils effectivement. Et bon, d'un côté il faut du financement et de l'autre côté il faut de l'accompagnement. En complément, je dirais, pour aller au plus près et sur certaines spécialités, effectivement, qui n'est pas toujours peut-être tout à fait rempli dans ce qui peut être fait effectivement par l'association, effectivement. Par... Donc c'est du complément. Hein. On est d'accord. À côté. Donc vous êtes plutôt au début, enfin, ou ça dépend dans les projets dépend, comment vous arrivez. Tout dépend en fait. Il y a tous les profils effectivement. Ça peut être aussi permettre à une entreprise qui a déjà un certain vécu, qui s'essouffle, qui a besoin de retrouver un peu d'oxygène, mais qui n'a pas, qui ne sait pas trop effectivement quels sont les axes qu'il faut. Ce n'est pas uniquement financier, c'est quelquefois des axes un peu stratégiques, politique commerciale, un produit qui a vieilli, il faut le faire redémarrer. Mais le chef d'entreprise a quelques idées, il ne sait pas toujours bien les formaliser, il ne sait pas avec qui en parler. D'accord. Donc il s'adresse à nous en tant qu'interlocuteur neutre, qui n'avons que notre expérience à vendre, si vous voulez valoriser. Et avec lui, on essaie d'explorer différentes pistes. Après, il retournera peut-être vers les business chancellors qui vont lui apporter des fonds supplémentaires pour peut-être passer un cap. Alors justement, à quel moment est-ce qu'il y a un moment idéal pour rentrer au capital d'une entreprise ou pour participer ou pour soutenir une entreprise pour un business angel? Est-ce que c'est au démarrage? Est-ce que c'est une fois que l'entreprise est déjà créée? Comment vous fonctionnez, vous? Alors, en ce qui concerne Synergence, on intervient à différentes phases de l'entreprise en fonction de la période dans laquelle le porteur de projet nous sollicite. C'est-à-dire qu'on peut être sollicité au moment de la création. Donc là, on est à la naissance de l'entreprise. Mais aussi, on peut être sollicité, comme en ce moment, par exemple, on est sollicité par une entreprise pour laquelle on est en train de travailler avec le milieu bancaire, avec Oseo et en particulier, pour restructurer cette entreprise au niveau financier, parce qu'elle a eu des difficultés dans le passé, elle a besoin de se développer, elle a des marchés à conquérir. Et donc, on vient là en appui financier pour pouvoir l'aider à passer ce passage. D'accord. C'est un point important par rapport aux financeurs classiques, j'allais dire, que sont les banques. C'est un point important d'avoir des business angels autour de soi quand on est une entreprise qui se développe, qui se met en place ou qui se crée. Bah, là, par exemple, pour l'entreprise dont on parle, c'est très intéressant pour le dirigeant parce qu'il a un apport financier qui lui est donné, que la banque, d'une certaine manière, ne pouvait pas lui donner parce qu'il avait une situation qui était un peu trop fragile. Nous, on est en capacité de prendre le risque parce que c'est notre activité. Et ça sécurise le milieu bancaire parce qu'ils savent que, par ailleurs, il y a des gens qui croient en cette entreprise, qu'on fait cette analyse et surtout qui vont l'appuyer dans sa démarche de tous les jours. Alors, en effet, on est très complémentaires DG parce que nous, on n'a pas dans notre travail d'investisseur un travail opérationnel dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait on est associé aux dirigeants, on va l'aider dans des grandes décisions, on va l'aider par exemple sur des négociations de certains grands contrats ou l'aider dans certaines orientations, mais par contre s'il faut après zoomer sur une fonction bien précise ou sur une difficulté précise qu'il a, là ça sort de notre compétence ou de notre activité ou de notre métier, et là des gens comme EG ont une place qui est complètement pertinente. EG, vous intervenez, vous soutenez par an combien d'entreprises, enfin vous combien de chefs d'entreprise sur le département? Actuellement, sur le département Charente-Maritime, on doit être à une vingtaine, 25 entreprises que l'on accompagne. On est en train actuellement d'accélérer un peu le rythme. Il y a 5 dossiers qui sont entrés hier, donc vous voyez que d'un seul coup, ça permet de générer. Mais on va sur... l'objectif, effectivement, c'est d'être à une quarantaine, 50 entreprises, effectivement, à suivre. Mais et dans tous les domaines, vous les suivez? Ça dépend de la demande exprimée. Ça peut être, effectivement, la partie haut de bilan. Effectivement, quand il s'agit de structurer un plan de financement, quand on est ancien banquier, on connaît le langage, qui est exprimé, effectivement, par un investisseur. Donc, on comprend ce qu'il attend. Et donc, on peut aider le chef d'entreprise avec le comptable, effectivement, à formaliser un dossier. Ça peut être un complément qu'on peut faire. Ça peut être, effectivement, comme on le disait, sur la partie commerciale, où il y a besoin de développer peut-être le business. Et on a parmi nous des collègues qui ont été des directeurs commerciaux, qui savent, qui ont un savoir-faire, une expérience, qui peuvent guider le chef d'entreprise, éventuellement, à aller dans telle ou telle direction et à structurer, éventuellement, l'approche de la GMS, qui est quelquefois compliquée pour certains. On a aussi, parmi nous, des DRH ou même des cadres qui ont fait des recrutements, permettent de renforcer par exemple une équipe de vente. Donc on peut aider les chefs d'entreprise, effectivement, l'accompagner dans son recrutement. Il définit un profil et nous, bon, on a cette pratique de cela, on peut lui dire, bon,
en binôme, bien sûr, on reçoit, ce n'est pas en lieu et place. Très bien. On ne fait pas le job d'un cabinet de recrutement, pas du tout, mais simplement qu'on peut l'accompagner et puis lui donner un avis tout à fait. Et vous, les Business Angels, combien d'entreprises aidées sur la région ? Depuis que 2008, nous avons aidé une trentaine d'entreprises. Ça représente un investissement d'un peu plus d'1,3 million, 1,4 million. Et là, par exemple, on sort cette année la première entreprise dans laquelle on investit. On va ressortir de cette entreprise avec succès. Et donc, voilà, c'est une trentaine d'entreprises qui sont sur laquelle on est investi. Et là, des opérations, en ce moment même, il y a une opération qui est en train de se signer de soutien à une entreprise qui s'est créée dans le milieu agricole, donc qui est dans le machinisme agricole, une entreprise innovante. Et on est très satisfait de le faire. On le fait en co-investissement avec la région, puisque c'est un projet avec de l'innovation. Et aussi avec PCI qui est à nos côtés dans ce projet-là. Donc là, on est vraiment dans le cœur de notre métier. Là. D'accord. Et c'est quelque chose, donc vous intervenez, vous croisez souvent quand même sur le terrain ou sur les entreprises ? On se croise, on se connaît. La synergie ne demande qu'à être développée quelque part, parce qu'on est complémentaires, c'est vrai. Et on entend souvent parler de la solitude du chef d'entreprise. Voilà, pense que... Notre mission, nous, enfin, si elle peut être, et la plus belle récompense que l'on ait, justement, c'est lorsque le chef d'entreprise nous dit « Enfin, je ne suis plus seul ». Il a un interlocuteur qui est neutre, qui ne va pas le juger, qui ne va pas prendre de décision éventuellement, et qui va pouvoir éventuellement... C'est un miroir. On a l'effet de miroir, en fait. Il a envie de parler, il a envie de s'exprimer, il a des idées, il veut les ébaucher, enfin les étalonner en quelque sorte auprès d'une personne qui a une petite expérience. Et c'est à cela essentiellement que l'on sert. Très bien. Et c'est très très important. Et même ceux que l'on a envie des fois de quitter nous disent « Non, non, j'ai envie de vous revoir dans 6 mois pour refaire un point, etc. » On a évoqué ce sujet. Très bien, on comprend bien l'accompagnement de léger c'est vraiment et des complémentaire. Business Angels auprès des chefs d'entreprise. On est dans des domaines un peu complémentaires. Merci Hubert Clément, merci Jean-Claude Côte-Verte d'avoir participé à cette émission. Plus d'informations sur les Business Angels et sur les G sur notre site internet. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de CELA TV et sur nos applications de télévision connectée, smartphone et tablette. Cet entretien est en rediffusion sur CELA TV, canal 30 de la TNT, et disponible en intégralité sur notre chaîne Dailymotion. À bientôt.